Pourquoi quand il fait 37 degrés, on a chaud alors que c'est la température de notre corps ? Aucune idée, mais je suppose que la réponse doit se trouver dans les commentaires. Non, pas du tout. Étant en quatrième année de médecine, c'est parce que 37 x 2 égale 74 degrés, c'est donc pour cela qu'il fait chaud. Sushi Nilis ! À toi de jouer ! Seule l'élite aura la ref. Donc, l'idéal pour nous, c'est 37 divisé par 2 égale 18,5 ? C'est pourquoi c'est conseillé entre 18 et 19 degrés dans les chambres. Oui, mais en suivant ce raisonnement, si je mets de l'eau à 50 degrés dans de l'eau à 50 degrés, l'eau est à 100 degrés, pourtant ce n'est pas le cas. Ah ouais, ça paraît logique. Ouais, mais quand il fait 0, on n'a pas froid alors ? Ah bah si, parce que 0 fois 37 égale 0. Ah non, mais j'ai rien à redire, hein, je suis formel, le calcul est bon. Bah non, 37 plus 0, t'as pas chaud, hein ? Merci pour ton expertise. Ouais, mais du coup, quand dehors il fait 0, pourquoi on a froid ? Mais parce qu'il fait 0 et que ton corps est à 37, donc il comprend pas et ça le rend froid. Ah, en fait, mon corps il comprend pas, comme ma tête quand vous débattez entre vous. C'est pire dans la voiture, du coup ça fait 37 fois 4. Même 37 fois 100, c'est horrible dans une voiture, tu cuis en fait ! Grave. Après, t'as la peau qui croustille. La peau qui croustille.